Bonjour. Alors aujourd'hui la question concerne Facebook et c'est vrai que depuis un moment ça n'arrête pas. Il faut dire qu'en Tunisie c'est quand même un sport national donc rien d'étonnant. Cette fois-ci la question concerne en fait l'utilité d'une page Facebook pour une marque et faut-il obligatoirement qu'une marque ait une page Facebook et une présence sur Facebook. Je vous dirais en temps normal d'abord essayez de bien analyser votre cible, de voir si elle est présente sur Facebook. Et surtout, si votre marque a une utilité à être sur Facebook et quel type d'utilité elle retrouve. Ça, c'est un point. Sauf que la question a été posée par le community manager d'une marque tunisienne et je me suis dit que ce serait intéressant en fait, de parler du contexte tunisien et de la situation tunisienne. En Tunisie, comme je vous l'ai dit, Facebook est un peu partout. Facebook est un peu partout, même quand on est sur du B2B. Ça ne choque pas une marque qui vend pour des professionnels qui ait une page Facebook. Donc, en Tunisie, il me semble bien qu'une page Facebook soit indispensable. Mais encore une fois, cela découle de votre stratégie digitale. Si votre stratégie digitale, selon vos objectifs prédéfinis, décide qu'il faut une page Facebook pour les atteindre, eh bien faites-la. Mais encore une fois, rappelez-vous qu'une stratégie doit s'adapter à une cible, à vos besoins, vos objectifs, mais aussi à une cible. Et votre cible tunisienne étant beaucoup sur Facebook, mais accordant également beaucoup d'intérêt à Facebook, verrait d'un mauvais œil que votre marque ne soit pas sur Facebook. J'ai presque envie de dire qu'elle pourrait la considérer comme étant une marque non professionnelle, pas assez sérieuse, parce qu'elle n'a pas de page Facebook. Donc réfléchissez bien au contexte et vous allez décider si finalement votre marque mérite bien ou il lui faut une page Facebook ou pas. Voilà, donc j'espère avoir répondu à votre question et je vous dis donc à très bientôt.